Good morgen, allez, Iden le Tzusroi, aujourd'hui, les Elonishmat Claude Chambo Ben Shalom et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez, vous aussi donner une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Masechet Sota, Perek, Zayin, Mishnah de lettres, Alitza, Kei, Saad, Ve Anta, Ve Amra, ou Lehalan, ou Omer, Ve Anu, Alevim, Ve Amerou, Mani Amora, Lehalan, Bilshon HaKodesh, Afkan, Bilshon HaKodesh, Rabbi Yehuda Omer, Ve Anta, Ve Amra, Kacha, Adjet Omar, on est dans le chapitre de les choses qu'il faut nécessairement dire en Lashon HaKodesh, toutes sortes de mitzvot que la Torah nous a dit, qu'il va falloir procéder dans le rituel de déclarer des choses. La question était de savoir dans quel cas on a le droit de parler en hébreu, en n'importe quelle langue, dans quel cas il faut nécessairement parler en Lashon HaKodesh, en hébreu. Et on avait appris la Mishnah précédente, ça nous parlait des Bikurim. Maintenant, on va voir Khalitsa Kesad. C'est lorsqu'on fait la Khalitsa. Le rituel de la Khalitsa, c'est, on le connaît depuis Evamot, l'homme qui décède sans avoir laissé de progéniture, sa femme à son frère plutôt, à la Misa de se marier avec sa belle-sœur, de faire le Yiboum. S'il refuse de faire le Yiboum, il ne veut pas se marier avec elle, il devrait lui faire la Khalitsa. Tout un rituel qu'on avait pris dans Evamot, quand on devait lui retirer la chaussure, cracher devant lui. Et là-bas, la Torah, elle insiste de dire toutes sortes de phrases. Mais en yevami la kachat et yevimto. Et les levnot la chiv shem. Et c'est déduit tout ça de psukim. Il y a un rituel où il faut dire et l'autre il doit répéter. Et ainsi de suite. Et d'où on apprend là-bas que la Torah l'a utilisé. Ve'anta ve'amra. Et la femme répondra et dira. Oh, ça vous rappelle la mission précédente lorsqu'il y a marqué Ania ve'amira. Répondre et déclarer. Alors là, on déduit de Oulala Noomer, mais on apprend par parallèle, par Zerachava, qui a été dit à propos des Brachot et Kulalot qu'on verra dans la prochaine Mishnah, que là-bas, la Torah nous a dit aussi Ve'anu Levim Bamrou, les Levim répondront et diront Ma Ania Amura Le'alan. Et donc, les Levim, c'est ce qu'on verra dans la prochaine Mishnah sur les Kulalot qu'il fallait dire à Grizim, à Reval. Là-bas, il fallait nécessairement le dire en Lashon HaKodesh, et Ma Ania Amura Le'alan Lashon HaKodesh, autant que la déclaration des Lévim qui a été dit là-bas, dans les Brachot et Klalot, doit être nécessairement prononcée en Lashon HaKodesh. Afkan mi Lashon HaKodesh, idem aussi pour la Yevama. On apprend qu'on a répondu Ve'anta ve'amra, Ania ve'amira. On apprend aussi qu'il faut le dire mi Lashon HaKodesh. Telle est la source du premier avis de la Mishnah. Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda nous dit non, c'est pas la peine d'aller chercher avec le parallèle avec les Brachot de Grizim Areval. C'est explicite dans la paracha ici de la Khalitsa qui a marqué que Ve'anta ve'amra kacha. La Torah nous insiste en nous disant elle répondra et elle dira ainsi, kacha, comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement, Hachnomar Belashon Azé, jusqu'à qu'elle dise dans ce terme qui a été utilisé dans la Torah précisément. D'accord? Et forcément, ça implique le Lashon HaKodesh. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Sacha Koltou, c'est là.